Bonjour YouTube, bonjour à tous et bienvenue, joyeux Noël et bonne année bien évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu, ce sera mon cadeau de Noël. Aujourd'hui mesdames et messieurs avec Arma for Life et Twitch.tv, j'ai laissé Twitch choisir la voiture de cet épisode et ils ont choisi la Porsche Boxster GTS, vous savez c'est Noël, on peut rien refuser à des enfants, voilà c'est un peu la période des enfants donc j'ai laissé Twitchy nous choisir son cadeau. Et j'ai soulevé une question, si je fais déployer le gyrophare, il se met où le gyrophare? Sur le toit. Donc on va découvrir ensemble s'il spawn ici ou s'il spawn quelque part. Ce sera une surprise. Je vous propose de voter, vous avez 5 secondes pour voter. Si je fais déployer le gyrophare ou semer le gyrophare. Sachant qu'on peut pas la décapoter. Et on est en bas, qu'on va aller changer de tenue vite fait. Mais voilà, pour faire simple, on est discret comme d'habitude, mesdames et messieurs. Et on va voir ce que ça donne. Nous allons voir, nous allons voir. On m'avait proposé vert fluo, j'ai pris jaune. Parce que c'est la couleur la plus rapide que j'ai trouvée. Mais j'avoue que ça, là, c'est tellement gros que ça peut passer. C'est tellement gros que ça peut passer. Alors, on a sur les essuie-glaces, pare-brise, devant le pare-brise, tableau de bord. Ok. Mesdames et messieurs, testons déployer le gyrophare. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Mais c'est que nous avons affaire à des professionnels, mesdames et messieurs. Eh ben, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Vous êtes clairement trop fort. Vous avez trouvé. Et pour ceux qui ont perdu, eh ben, vous avez perdu. Tant pis pour vous. Donc, en effet, elle se spawn devant ici. J'avoue que c'est classe. Non, mais honnêtement, c'est pas genre... Juste imaginez. Imaginez une bac... Ah, ils font sortir les gars derrière. Super, bah c'est bon, on est cramé. Imaginez une bac. Imaginez en France. Imaginez. Le mec, il roule en Porsche. Et il claque le bleu sur le tableau de bord, comme ça. Vous imaginez. Indécent. Indécent, mesdames et messieurs. Recrutement police. Mais il y a 8000 personnes, tu vois. Là, c'est obligé. Obligé, tu vois. Là, c'est... Là, c'est validé. Non, c'est pas la même voiture. Bon, on est full cramé, c'est tout, c'est pas grave. Les gars, il sort du commissariat, fallait le faire sortir de l'autre côté, les gars. Là, on est cramé. On est cramé, enfin bref. Mais c'est pas de ma faute si on se fait cramer, les gars. J'ai un trottoir pour vous, si ça vous intéresse. C'est pas de ma faute si on se fait cramer, les gars. Ah, je suis pour l'instant, il n'y a pas du tout. Ça roule. It's not my fault. Vous voyez ce que je veux dire? It's not my fault si on se fait cramer. Et juste concernant le code, vous lui avez verbalisé quelque chose? On va essayer de faire un petit vestiaire. Pour son passager affirmatif, le conducteur et un pomme zéro. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas se mettre un t-shirt nouveau joueur. Là, c'est full cramé si on met ça, tu vois. Ça, c'est les t-shirts nouveau joueur avec le tag Arma for Life. Tu peux pas rouler en Porsche et avoir ce t-shirt. Ça, c'est l'expérience. Après, on pourrait vraiment se mettre en tenue de pilote. Et là, il y aurait moyen, on se met en tenue de pilote, on met un casque, et là, je pense qu'on est full pas cramé. Par contre, tout le monde va se dire, c'est qui ce gars avec un casque de moto dans sa voiture? Donc, on va quand même attirer l'attention. Donc, on va essayer de prendre quelque chose qui n'attire pas trop l'attention. Si ce n'est la voiture, il me faut quelque chose d'assez sombre. Quelque chose de vert. Pourquoi pas quelque chose de vert? Histoire qu'on... Ah, je sais pas trop... Il y a une autre bac. Alpha d'Oscar. Oscar Alpha. Ouais, donc pour Alpha, on part en direction transfert pénitentiaire, donc un disponible. Vas-y, je prends un truc gris. Je suis. Vas-y, on prend ça. Voilà. Il tire une balle dans le collègue. Bonjour, bonjour. Ah, je veux dire bonjour. Respect, mon commissaire. Bonjour. Mes respects, comment allez-vous, jeune ADS? Ça va, merci. Ça allait bien? Prenez votre service. Vous avez été bien formé. Très bien formé. C'est vrai. Suivi pour bac. Ah, les meilleurs, hein, bien sûr. Suivi Alpha. Alpha pour Bravo, qu'est-ce qui se passe? Alpha pour Bravo. Troll total. Ah non, c'est bon. Ok. Tac 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 tac.
sur la privée. Alpha pour Bravo. À l'écoute. Ouais, t'as besoin d'aide là ou c'est bon, c'est encore calme? Non, non, c'est bon, c'est géré par les collègues. Ah, ok, nice. T'es toujours sur le gars que tu recherches là? Ouais, mais là je vais lever, ils m'ont dit jusqu'à 22, donc là je vais lever. Ok, tu pars sur quoi après? Bah je pars sur rien en soi. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut prendre une filature poids lourd, on peut prendre en filature des véhicules qui roulent un peu vite, ou pour essayer de voir si ça traficote ou pas. Il y a pas mal de véhicules avec plusieurs individus à l'intérieur. Comment on sort de ce commissariat? On peut aussi provoquer un vol de véhicule en prenant un véhicule police un peu stylé et en essayant de le planquer pour que... Bonjour. Pour planquer dessus, ce que tu veux. Il y a eu beaucoup de cambriolages ou pas? Parce que la dernière fois ça arrêtait pas avec non. Les Pères Noël. Y'a rien eu pour l'instant. Ok. Tu sais quoi, je vais faire un petit passage sur Union et sinon, ouais, on se met en planque et on essaye de choper des trucs, ça peut être cool. Ça roule. Là, y'a un bordel sur la 2x2, tu feras gaffe si tu viens du nord. Bordel 2x2. C'est bloqué. Ok, ok. Ok, de toute façon, là, je vais sortir du commissariat, ils installent la fibre et après, j'arrive sur Union. C'est quoi ta voiture? C'est une BM noire. BM noire. Ok, j'ai une Porsche jaune décapotable. Ok, la Boxster. Ouais, ouais, la petite Boxster. On va dire, moi j'aurai de la vitesse si besoin est. Petite C4 VTS, mesdames et messieurs. Ça roule. Bon, je pense qu'on est bon. Alors, ça, je le mets là. 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 Surtout, ce qui est intéressant, c'est que si on est deux, si on veut faire des filatures, on peut se relayer. Donc. Ouais, justement, je pense à ça aussi. Il y a moyen que tu suives, après je suis, après t'essayes de te planquer un peu plus loin, mais après il faut qu'on... Soit qu'on puisse interpeller nous... En fait, il faudrait qu'on se prenne des affaires où on peut être solo, parce que s'il y a besoin de raid pour intervenir et que raid n'est pas dispo ou en formation, bah on va faire des affaires pour rien. Ce qui serait cool, c'est qu'on arrive à les faire jusqu'au bout. Ouais, ça roule. Ok, nice. Mesdames et messieurs... Je suis prêt. C'est stylé, non? Donc du coup, on se concentre plus sur quoi? Sur filature, sur trafic, sur... Je sais pas, y a quoi là déjà que t'as vu depuis que t'es là? Qu'est-ce que t'as vu d'intéressant? Pas mal d'utilitaires, pas mal de PL. Sinon, j'ai rien fait d'autre de très intéressant. Après, y'a de la Brinks qui a tenté de se faire braquer, on peut aussi protéger la Brinks. Ah, ça peut être intéressant, ouais, de suivre Brinks. Mais est-ce qu'ils sont... T'as la fréquence, ceux de Brinks, ou pas? Ah bah y'a plus, entre temps y'a plus, non bah y'a plus. Ok, bah sinon on peut faire des camions, regarder un petit peu ce qui se passe, où ils vont, ce qu'ils font. Bah vas-y, dès que t'en vois un, on prend un. Vas-y, de toute façon je vais venir un petit peu tourner sur Union, et après je pense que je repars 2x2 voies, casino, et je prends l'autoroute, et je pense que je remonte sur Lakeside. Ok. On va faire ça, mesdames et messieurs. On va tenter. Ouais, je sais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Ouais, petite Porsche décapotable. C'est Twitch qui a choisi, mesdames et messieurs. Écoutez, voilà, faut... Venez choisir la voiture la prochaine fois, et puis... Vous pourrez choisir. En soi, de toute façon, à peu près tous les véhicules sont bien en back. Enfin, c'est pas compliqué. À partir du moment où t'as une intervention à faire, bah c'est bon, tout le monde sait que t'es back. Donc là, on va repasser par là. Allez, un exemple, le gars il sort du commissariat, il passe devant la voiture, il voit qu'il y a un bleu dans la voiture, bah, il sait que c'est un véhicule de bac. Vous voyez ce que je veux dire? On est vite cramé, on est vite à la merci. Oscar de bac. Transmettre. Ouais, je viens de repasser sur Union, il n'y a plus de V250, on l'a raté de très peu le gars. Ouais, celui-ci c'est pas grave. Ah, ça cherche un V250? Ouais, tu cherches un V250? Ah, et d'ailleurs, pour info, il y a eu le retour sur le téléphone de toutes les applications. Ouais, je vous le dis, parce que la dernière fois, on parlait de ça, justement. Ouais, j'ai changé l'animation de la radio, on est bon. Le jaune en bac, c'est flagrant. Non, non, je pense pas, les gars, je pense pas. Je pense que... Je pense pas du tout. Le service du Cargan appelle les secondes d'invitation d'Oscar, bonsoir à tous. Bonsoir gardien, vous serez affecté au... Là ils installent la fibre. Pour de vrai, hein, ils sont en train de mettre la fibre à côté là. La fibre optique, mesdames et messieurs, en train d'arriver au commissariat. Et moi je l'ai samedi normalement. S10, sauver ou périr. Quand tu m'appelles, j'accours, les minutes d'attente t'apparaîtront longues.
Mais dans ta détresse, pardonne-moi mon apparente lenteur. S10 au service du citoyen, sauf vous périr. Je pense que c'est. On se tape des. Mais on se fait spam par des pubs de recrutement maintenant sur Arma for Life. C'est le futur ici, c'est le futur. Maintenant, on a des spams de. C'est les SP qui claquent de la thune pour faire de la pub pour les pompiers, quoi. On aura tout vu, mesdames. On aura tout vu. On aura tout vu. Yo Léo, bienvenue. On aura tout vu, mesdames et messieurs. Là, clairement, c'est comme si la police. Ah. C'est comme si la police faisait un recrutement, tu sais. Vraiment, Oscar. Pour back. Transmet. Ouais, il y a une grosse explosion. Parking Union, pour information. Vous êtes déjà au courant? On est au courant de loin, mais on n'a eu aucune idée à vous rapprocher. D'accord, il y a une maison, il y a une voiture sur le toit d'une maison, je vais appeler les SP. Ok, suis, merci. Oh là 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 là. Ouais. Le Beans. Ouais, Alpha, t'es là? Ouais. Ouais, attends, faut que j'appelle les SP, il y a une voiture en feu sur le toit d'une maison. Ouais, je te suis aussi, t'es où? Je suis en jaune Porsche décapotable. T'as déjà appelé les pompiers ou pas? Non, je viens d'arriver. Vas-y, je vais les appeler. Quelle histoire, mesdames et messieurs, quelle histoire. Codis pour police. Transmettez police. Ouais, pour vous informer qu'il y a un véhicule en feu sur le toit du parking à Union. Affirmatif, on a un VSAV actuellement engagé sur place. Très bien, je vous remercie, bonne journée. Pas de soucis, merci à vous. Oscar de Bac Bravo. Transmet. Ouais, j'ai appelé les SP pour Union, c'est géré, il y a une grosse explosion au parking. Ça suit, merci. Quelle histoire, mesdames et messieurs, quelle histoire. Moi j'ai la pipe sur la façade de l'immeuble mais pas à l'intérieur. Courage Wim, courage. Et du coup merci Léo, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. Bah écoutez, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe sans se faire cramer. Enfin, sans se faire cramer. Remis en service à patrouille Alpha 2 effectifs à bord d'une 750. Ça suit l'Oscar, bonne patrouille à vous. Merci. Remis en service à patrouille Bravo, 2 effectifs dans une BMW M5. Ça suit l'Oscar, bonne patrouille à vous. Oscar pour Bac Bravo. Transmet. Ouais, vous êtes à la recherche de véhicules ou pas? J'avais entendu parler d'un V250. On a recherché une personne, monsieur Henri Lecrec. D'accord, et il a un V250, c'est ça? Il a été vu à bord de plusieurs véhicules, dont une Ford Fusion et un V250, effectivement. Ok, ça marche. Ah, Alpha, t'es là? Mesdames et messieurs. Ouais. Ouais, c'est bon, pour Union, c'est géré, les SP étaient déjà au courant. Tu veux qu'on parte sur quoi? On trouve une proie. Une proie, bon bah chassons un peu, chassons bien. Tu penses que sur Union, là, ça va encore revenir ou pas? Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, au pire, je peux toujours me garer et passer à côté d'eux pour essayer d'écouter. Bah là, je suis passé un peu, pour l'instant, RAS. Ok, j'ai un V250 devant moi, là. Véhicule noir, je crois que c'est un V250. Vas-y, on va aller. Vous savez quoi? On va aller se frotter. Ok. Je vais aller me mélanger à la population. Allons, allons nous mélanger, mesdames et messieurs. Ça roule. Ah, ça y est, je te vois. Ouais, je vais aller me mélanger à la population. Mesdames et messieurs, on est parti pour aller écouter un petit peu ce qui se dit. Bon bah moi je vais aller regarder écouter deux fois devant. Allons. Allons écouter un petit peu ce qui se dit. On va regarder s'il y a des gars qui sont recherchés. Parce que là on peut se gagner, on peut se... Oh putain, il y a du monde en plus. Refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer. Complicité de braquage. Jack, Marc, Maxime. Ok, bon. Ce qu'on va faire, vous savez,
On va juste prendre quelques plaques comme ça et après on va aller les passer au fichier. PY 823 CW. Et après on a JI 675. Donc là je suis en solo. C'est plus simple pour vraiment se fondre dans la masse. Je fais genre je vais acheter un truc, vous savez. Bon, il y a même pas de panneau, je suis deg. Ok, attendez, déjà on va passer les petits fichiers. Quel plaisir de les revoir sur le téléphone, mesdames et messieurs. Coucou Chloé, bienvenue, Tina qui déborde, bienvenue à tous Twitch chez nous. Vous êtes 200 viewers, ça fait ultra plaisir. YouTube, oubliez pas, le petit pouce bleu, on va essayer de vous décoter des affaires, rien que pour vous. Là, je fais ma petite spécialité, je me balade tranquillement comme ça. Et on chasse. On chasse, on cherche des infos. Ça c'est Tiken, Marley, on passe des plaques. En gros l'idée c'est de faire ce que les autres n'ont pas forcément le temps de faire. Donc en l'occurrence, on se pose et on contrôle des plaques. Les plaques vont nous donner des noms de propriétaires. Avec les noms de propriétaires, on peut potentiellement tomber sur les gars. Ce script est trop bien, hein. On est tous d'accord. Zeta Zafiros. Focus RS. Voilà, donc là, comme vous l'avez vu, j'ai été chercher des plaques. Je les ai passées dans le logiciel. Ça m'a donné des noms. Maintenant, je retourne sur Interpol. Alors, Tiken Marley, non. Zeta Zafiros, non plus. Ok, bon. Ça veut dire que c'est bien, tu vois. J'ai peut-être pas fait celle-là. Genre, je vais mettre comme ça, comme si je regardais. Regardez, vous voyez ce que je fais là? Hop, hop, hop. Bon, normalement, je leur tiens de tête, hein. Je fais genre comme ça, je fais LI203NE. Mais comme j'ai pas de mémoire et que je suis un fripon, tu vois, tac. Comme ça, là, on est bien. Centre, la Audi fonce vers le garage. Ah, je l'ai là. L'Audi, elle est là. Je crois que ça va être trop tard, donc à la limite, attendez quelques instants, s'il vous plaît. C'est sûr, on est entré 2x2 côté Brinks, hein, que j'ai Brinks. Ça marche, donc individu armé d'une arme de poing, il est descendu de son véhicule là, il l'a mis en plein milieu, je sais pas trop ce qu'il fait. Alpha Oscar. Transmettez. Le Audi RUIT ressortait au nom de monsieur Léo Trimcaris, c'est celui qui a eu une absence pour aller manger au niveau de votre intervention tout à l'heure. Ok, c'est sûr, on va aller voir. Bac, bravo sur place pour information, je suis au parking en civil. Pour info pour Bac Alpha, il y a la CSI là qui est en train de contrôler l'individu. On est là les gars. Merci Damien, ça fait plaisir. Vous voyez, on est là si jamais ça dégénère. Bam. Intervention. Désolé. Ça mort de son côté. C'est les médicaments. Ouais, pour information, je suis en train de passer tous les véhicules d'Union au fichier pour vérifier si les plaques coïncident avec des personnes recherchées. Ah bah oui, c'est moi, oui. BAM! Intervention, mesdames et messieurs! Oui. Là, on était prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on était prêt, là. Si jamais ça dégénérait, j'étais là pour venir en renfort, je mettais mon brassard comme ça et... Tex. Oui. Tex Morel. Non. Là, si jamais ça dégénérait... Intervention, mesdames et messieurs. Intervention à l'Aibra TV. Hop là. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Je te sors derrière, Morel. Pas recherché, ok. Vous voyez? Là, on est en bac, on est là, on est train. Attends, je me suis pas fait voler ma... Non, c'est bon. Je me suis dit, imaginez, je me fais voler la voiture. Parce que qui dit Porsche, dit potentiellement vol de voiture. Et oui, il faut le savoir, je peux me faire voler ma bagnole. J'ai pas l'air con, autant dire qu'en plus, il y a tout le matos à l'intérieur. Si je me fais voler la voiture. Si, j'ai changé. Ah non, c'est main sur l'oreille. Voilà, c'est bon. Si, j'ai changé. Ouais, Pierre, tu m'entends? Ouais. Ouais, dis, c'est bien la main sur l'oreille en bac, c'est ça? Ouais.
Ok, ça marche, Pierre, je t'en remercie. Donc, après fouille du monsieur, explosif de combat, on retrouve sur le monsieur. Bon, pour info, ils ont retrouvé de l'explosif et tout ça. Ouais, c'est ce que j'entends là, c'est cool. Ouais, je suis à côté. Tu penses que c'est des vrais flics ou des faux flics? Sinon, j'interviens. Je pense que je peux en abattre un là, Calme-toi. T'imagines, horrible! T'imagines, t'es là et tout, tu sors ton arme, tu braques les gars et tout, magnifique. Rien. Merci Chloé, c'est beau, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, merci pour ton rissam. Sont armés comment les faux flics? Je pense que c'est des faux flics. Hein. Ils ont des grosses berlines et tout ça, à mon avis, c'est des faux flics, je pense. Ils sont en train de se barrer là. Y'a pas de sous dans la police. Ah ouais, y'a plus d'argent là. C'est en train de se barrer là. Ça part, intervention, ça part sortie d'union. Attends, je peux pas intervenir, il y a une priorité à droite. Ouais, c'est bien normal, c'est bien normal. Ok, j'ai vu ce que t'avais. C'est toi là le break familial? Ouais, la berline noire. Ouais, c'est ça, un break familial, ouais, ok, ça marche. T'as été au casino et tout ça ou pas? Je suis allé un peu, ouais, dans le nord et tout. Pour l'instant, c'est calme. Là, je vais essayer de suivre le Kangoo, enfin la Renault Express, mais à mon avis, ça va pas faire grand chose. Ouais, moi je suis toujours sur Union, je suis en train de passer tous les véhicules au fichier. Pour le moment, RAS, il y a que des honnêtes citoyens. J'allais voir en port. Allez voir Tex si je l'avais. Tex, on est bon. Intervention, mesdames et messieurs. Fais les plaques à côté de la voiture. Non, je fais ça un peu plus discrètement quand même. Bon, j'ai des camions là, donc pourquoi pas. Ah, ça peut être intéressant les camions. Vérifie les plaques, il y a peut-être des gars qui sont recherchés. Parce que à la limite, s'ils font de la drogue, on peut très bien les faire tomber pour vitesse ou refus. Ou il y a deux jours, ils ont peut-être fait un truc. Aujourd'hui, ils font de la drogue, on peut les choper comme ça. Yeah. Moi, je reste à côté de CSI durant le contrôle. Il y a pas mal de monde. Comme ça, si jamais ça dégénère, je suis prêt à intervenir. J'enfile mon brassard et je saute. CSI pour Bac Bravo. Ouais, l'homme en face en t-shirt gris là qui vous regarde, c'est moi, je reste à côté vu qu'il y a pas mal de monde. Si jamais il y a besoin de soucis, j'interviens. Moi je suis. Le brother, les gars. Big brother, je suis derrière comme ça, j'observe et j'aide les petits frères. Tu vois ce que je veux dire? On sait pas, mesdames et messieurs. Il y a un VSAV, imaginez le VSAV il explose. Il faut y penser. Le VSAV il explose, il les tue tous. Et là, il faudra des fonctionnaires de police sérieux pour intervenir. Bon, ils sont en nombre, mais on sait jamais. On sait jamais. Ouais, Pierre, t'es au port, alors, ça dit quoi? Bah là, je vais regarder combien coûte un bateau. Vas-y. Moi, ouais, je fais pareil, hein. Je me colle, j'écoute, je regarde les voitures, je note les plaques, enfin... Scred. Ah, c'est quand même pas donné, un bateau, hein. Ouais, j'imagine. Là, au niveau d'Union, je pense honnêtement, c'est ultra safe. Hein. Il y a tellement de flics. Je pense pas qu'il y ait de soucis. En plus, ils ont... Ah non, c'est bon, ils ont ouvert le parking. Enfin, ils ont fermé une partie du parking. Après, il y a des Tesla. Il y a une Tesla et une Arteon derrière. Mais pour Union, je pense que c'est calme. Je vais bouger. Je vais aller voir au casino. Et pourquoi pas sur Java, m'assurer qu'il n'y ait pas de cambriolage. Ok, ah y'a un camion là qui va vers Gatewood. En avant. On va laisser les collègues worker, mesdames et messieurs. Bon, on fait pas les klaxons, c'est trop chiant, ça sert à rien. Là on est bien là, mesdames et messieurs. Là on est steak haché, personne sait qui on est. Vous voyez ce que je veux dire? On est steak haché, mesdames et messieurs. Mais je sais que c'est Martin, que c'est pas Pierre, mais vous savez pas réfléchir. Si je l'appelle Pierre, c'est pour que ça paraisse encore plus mystérieux. Vous voulez pas que je lui dise oui, mon commandant, oui, salut Sebac, allons, je sais qu'il s'appelle pas Pierre, mais il le sait aussi. Allons, s'il vous plaît. Oui, Ra, il s'appelle pas Pierre, pour information, c'est Martin, mais je sais qui c'est. Mais le but du jeu, c'est de se caché. Ah, c'est sur Costa del Mar, on n'intervient pas. Costa, sinon, tu sais quoi, moi je peux mettre au niveau de l'entrée Costa, Scred caché, toi tu peux te mettre QG et on laisse les autres intervenir. Si ça prend la fuite, on sera placé. Ok, bah on est appelé. Et Pouftel de Costa del Mar, s'il vous plaît.
Ouais, suivi pour Bagal, ouais, je prends des parts depuis Gatewood. Vous avez aucune notion, aucune notion. Ah, c'est reçu pour Bac Bravo aussi, je me rapproche depuis Union. On a une unité en tenue qui intervient ou pas? Négatif, pas pour l'instant, je m'arrive juste d'aller en reconnaissance. Ok, c'est reçu. Oh là 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 là, les gars. C'est dingue qu'il y en ait parmi vous qui m'aient fait la remarque en mode il s'appelle pas Pierre. Mais c'est incroyable, mesdames. Vous êtes des génies, Twitch. Vous êtes des génies. J'espère que YouTube. Il y aura pas de commentaires en mode oui, c'est pas Martin. Enfin, il s'appelle pas Pierre, il s'appelle Martin. Hein. SVP, SVP, s'il vous plaît. Je le sais. Je sais. J'ai compris. Mais c'est la stratégie. Je suis un stratège, mesdames et messieurs. Et comme vous avez vu, j'ai mis en double écoute la fréquence de Bac, comme ça, quand il parle, je l'entends en double écoute. Donc là, on intervient. Ça braque un petit peu plus haut. Ouais, t'es arrivé? En cours. Je suis sur le pont Jamestown. Ok, moi, je suis arrivé dans Costa. Je vais peut-être faire un tout droit, voir un petit peu ce qui se passe. Vu que je suis tout seul, je vais peut-être pas intervenir. Je vais juste essayer d'avoir un max d'infos. Je me concentre. Ouais, pour info, je suis passé, j'ai rien vu. J'ai pas fait de levée de doute encore, mais je suis passé aux alentours, y a rien du tout. Vous avez vu, y a un gars qui a essayé de mettre une voiture dans un truc où elle était pas censée rentrer. Là, j'ai fait une nouvelle route ici. J'irai voir les commentaires sur YouTube. Hein. On va voir si YouTube vous êtes plus malin que certains sur Twitch et que vous m'avez pas mis qui s'appelle pas Pierre. Hein, Pierre, t'as compris pourquoi je t'appelle Pierre? Coup de feu, t'es là, t'es sur place? Oscar de Bac Bravo. Transmettez. Ouais, un coup de feu sur la commune de Costa au niveau du braquage. Quelle provenance du coup de feu? Provenance bâtiment aux alentours du braquage. Je suis un petit peu trop loin pour vous donner une précision au mètre près, mais on est au niveau du... au niveau de l'alarme. Qu'est-ce que tu pour celle-ci? Ouais, t'es là, Martin? Ça a tiré où? Ouais, ça a tiré où? Ouais, tu sais pourquoi je t'appelle Pierre? Pour masquer les pistes, hein? Ouais, tranquille. Ouais, je pense que ça a tiré au niveau du SFR, justement. Mais c'est bizarre, je suis... Enfin, quoi que non, c'est pas bizarre, je suis passé en mode scred. Mais j'ai entendu un coup de feu, donc je sais pas si c'est toi qui as déjà lancé. Non. Moi, là, je viens d'arriver sur zone, je suis au niveau de la station service. Ok, bon, sans savoir, je m'équipe au moins de mon arme, comme ça, si jamais il y a besoin de sortir rapidement, j'ai déjà mon pétard. T'as vu un VL ou pas? Non, j'ai rien vu du tout. Je sais pas si c'est s'il arrive. J'aurais bien faire une levée de doute, je pense. Soit il y a un gars qui a mis clic, enfin il s'est merdé, il a claqué une cartouche. Mais ce qui est bizarre. De toute façon, on entre dans la dernière minute de braquage, faut qu'on aille sur zone. Ok, vas-y, go, top intervention. Ouais, en tout cas, enfin on se rapproche et on attend une alarme quoi. Donc Ok, on bloque les points de sortie? Ouais, on va déclencher une course-poursuite, tranquille. C'est qui vient de. Les collègues arrivent sur zone? Ils vont me braquer. Alors, information de celle-ci avec ouais. Le jaune côté armes lourdes. Laissez-moi ça. Mais tu vois pas le Giro? Il y a le Giro à l'intérieur. Ouais, il est au bout. Ah bon? Tu vois pas le bleu? Ah non, mais forcément, je roule pas avec toute la journée. Il est au fond, à droite. Il n'y a pas de véhicule de garé à côté, mais il y a eu un coup de feu qui provient du fond à droite. Et on n'a pas entendu d'alarme encore. Vous avez été signalé en tant que police ou pas? Ah non, on tourne autour. Okay. Là, on a failli intervenir,
Mais bah, comme je vous ai vu, du coup, je me suis garé sur le côté. Et il y a une autre bac, il y a bac alpha qui est un peu plus haut, BMW noir. Ok, on va repasser devant pour confirmer les... Ouais, vas-y. Transmettez. A tout de suite. Je viens d'arriver sur les lieux, je vois rien. Si jamais vous avez communication directe avec celle-ci. Eh ben, pas juste faire tirer dessus. Mesdames et messieurs. Oui. Je suis pas assez payé. Je suis pas assez payé pour ces conneries, moi. Pour faire des vérifications. Je suis pas assez payé pour ces conneries, mesdames et messieurs. Oh là là, je vais acheter des lunettes aux collègues. Hein. Ils se voient le bleu en plus. Regardez. Enfin, enfin, moi je le vois, peut-être que vous le verrez pas sur la vidéo, mais tu vois qu'il y a un truc bleu dessus, tu vois. Après, en effet, c'est pas écrit police en mode. C'est un peu discret, tu vois, mais c'est le but du jeu. Ah oui, c'est vrai, Chloé, c'est un délire ça. Qui se rappelle sur Australia quand la police recherchait une voiture noire armée alors que c'était la vague. C'est vrai, c'était un délire aussi ça. Bah ça c'est la preuve que ça fait du bon boulot. Ça ça veut dire que Locke t'es là depuis un moment, c'est beau. Je sais pas si vous êtes beaucoup à vous souvenir de cette histoire. Mais ça c'est une histoire qui date ça. On était sur Australia, on patrouillait en bac et on patrouillait avec les armes à la main. Parce que sur Australia on avait des rebelles. C'était à l'époque où il y avait des rebelles sur le serveur. Où j'avais, où on autorisait encore le RP rebelle. Il y a une Renault Express qui part direction nord. Ouais j'ai vu, c'est un utilitaire Renault 15 orange jaune. Il a freiné à ma vue et il avance vers le QGDP. Enfin un QGDIR. Et du coup, c'était à l'époque où il y avait des rebelles. Donc, il y avait souvent des gars qui te sortaient des calibres. En fait, tu contrôlais un mec qui te sortait trois calibres. Du coup, on patrouillait avec les calibres à la main. Parce que tout le monde avait des armes. Donc, à peu de choses près, ça changeait pas grand-chose. Et on s'était fait report comme étant des rebelles en train de braquer des gens. Alors qu'en fait, on était juste en bac. Mais genre, c'était sur Australia, t'avais des gunfights, mais de partout, partout, partout. Vu qu'il y avait un vrai RP rebelle qui était mis dessus, donc bah, les gars ils avaient des grosses bateuses. Et du coup, en effet, on s'était fait report. Ah, ouais, je suis là, je suis sur la privée, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, donc il n'y a pas eu d'alarme, donc les gars ont dû merdouiller. Là, il y a quand même un Renault Express, donc la CSI va faire un contrôle dessus. Oula, c'est où ça? Oh, sur Paradis. C'est encore mieux Paradis pour bloquer au niveau des ponts. Ouais. Vas-y, je file au stand de tir. Ok, bah, je vais faire l'autre côté. Oscar de bac bravo. Transfert. Ouais, je fonce stand de tir pour bloquer sortie paradis. C'est clean sur quoi ça démarre? C'est sur paradis que ça braque. Donc je vais stand de tir pour bloquer la, la fuite des braqueurs sur le stand de tir. Ouais, suivi, mais il y a déjà un braquage en cours à Costa del Mar et tu étais engagé à Costa del Mar. Bah, bac alpha, bac il m'a dit qu'il y avait rien. Clear sur Costa del Mar, RAS. La CSI effectue un contrôle sur un Renault Express, comme dit précédemment, mais RAS et il n'y a pas eu d'alarme. Donc okay. Intervention terminée, Costa del Mar. Vas-y, go. Ok, suivi. Donc pour les deux bacs, je vais vous diriger au niveau de paradis. Ça roule pour bac alpha, je bloquerai côté Lakeside. En avant, mesdames et messieurs. Oscar. Oscar d'Alpha. Transmet. Alpha non, disponible c'est... pour transfert Pénit. Ça suit. Bac alpha de CSI alpha. On va essayer de pas faire d'accident. Pour information contrôle en cours, 5 personnes à l'intérieur. Ah oui, tout de même, c'est noté. Eh, quoi que je peux peut-être faire un tout droit et repasser de l'autre côté. Ouais, Julien. Oui. Ouais, je passe Lakeside et je vais au bout. Ça roule. Ok, Jean, merci. Attends, tu passes Lakeside et tu vas au bout? J'ai cru que t'allais stand de tir. Oui, mais c'est plus rapide si je passe, ah, okay, si je passe par paradis. Tu passes devant en même temps. Non, enfin, je passe devant, je passe derrière, tu vois, mais en... ouais. Au moins je prends de l'avance. Parce que là, j'y suis dans 2 minutes, j'y suis. Ça roule. Il y a un malade, il vient de me klaxonner avec sa voiture. Tire-lui dessus. Eh, tu sais que tu bloques loin, tu pourrais bloquer à la station. Hein. À l'aire de repos, tu peux bloquer à l'aire de repos. Yo Jean, bienvenue. Bonsoir, ouais, mais les mecs, du coup, ils vont s'engager, ils vont faire demi-tour. Mais pourquoi pas, ouais. Bienvenue, bienvenue, merci à toi, ça fait plaisir, Jean. Après, et en bas, que tu te rapproches, discretos, tu peux même bloquer entrée, hein. Là, ce que je vais faire déjà, là, c'est que je vais lever un clos sur deux, je vais mettre route barrée et je vais m'avancer.
Confirmé, voiture de sport orange à côté de la boutique, là, au niveau du SFR, mais c'est où que ça braque, c'est station ? Station. Ok, station, je m'approche pas, on a des unités qui interviennent ou pas, où, tu veux, où on est K2 ? On n'a pas eu de renfort pour l'instant, non, les personnes, tout le monde est occupé. Ok, bah je ferme la sortie de mon côté et je me rapproche discretos. Ouais, parce que tu sais ce qu'on... en soi, on fait style que personne n'intervient. Et chaque... Ah mais non, on pourra pas RC sur les ponts. Ah bah si, quoi que... Attends, si, on peut bloquer. Moi je peux RC sur l'aire de repos. Paradis, moi je t'ai bloqué la sortie, moi. Tu peux pas sortir vers aire de repos, ouais. C'est bloqué au niveau du pont. Ok. Qu'est-ce qu'on fasse du coup? T'es au stand de tir là? Non, je suis toujours sur Paradis, non, s'il y a pas de renfort, c'est trop dangereux de te laisser intervenir et il y a personne qui a été faire une levée de doute. Je vais passer au niveau de la station essence tranquillement. Et de toute façon, ils pourront pas sortir, on a bloqué les ponts, mais faut que tu te rapproches et on les piège sur Paradis. Ouais, c'est bon, là, je suis en train de me rapprocher. Je suis arrivé sur zone. Tu te rapproches de la station du coup ou je fais? Ouais, ouais, je suis à côté de la station, je vais essayer de voir, mais j'ai l'impression qu'il y a personne. Encore. Là, il y a un véhicule bleu derrière, une Clio RS. Au niveau de la station, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose. Ok. T'as bloqué la sortie? Ouais, c'est bloqué. J'ai l'impression qu'il n'y a rien au niveau de la station. Après, tu peux toujours essayer de rentrer. Genre, tu vas au magasin prendre ta trousse à outils. S'il y a un mec, il va bien te tirer en l'air. Donc, te dire de dégager. Ok, vas-y, je vais m'approcher. J'ai regardé aux jumelles, il n'y a rien. Je vais m'approcher plus. Ça marche. Intervention. Je viens de tous les voir au bistrot chez Ginette, tu peux toujours attendre. T'es là? Ça a donné quoi du coup sur Oscar pour back, pour information, je suis derrière eux, il y a un RS3 qui est garé derrière, je suis juste derrière le mur, ils m'ont pas vu, je peux bloquer leur sortie pour information, je m'équipe, je suis derrière en civil, juste derrière. Tu peux back, attends, pour l'instant vous attendez qu'elle prenne contact. Mets-moi un temps. Ok, intervention sur votre sommation effectuée. Qu'est-ce que c'est sur les unités engagées? Ouais, c'est pour ça que je vous dis que je suis juste derrière. J'interviens pas, mais si jamais ma vie est en danger, je ferai feu. Je suis juste derrière, ils m'ont pas vu. Il y a un RS3 qui est garé derrière pour information qui est prêt à partir. Qu'est-ce que si vous voyez des Fox armés, vous avez autorisation d'abattre. C'est suivi. C'est aussi la fois d'Oscar. Transmet. Parce qu'il doit insister pour le niveau de Costa Lamar sur le contrôle. En cours de. Contrôle. Il est où le mec Ok, la RS3, tu peux la marquer sur la carte? Pour information, BAC a pris également la plaque du véhicule, c'est un RS3 GS309 HT. C'est GF ou GS? GS, Golf Sierra. Oscar pour BAC, bravo. Je bloque quand ça monte dans la voiture, on les laisse partir, sachant que j'ai bloqué les ponts pour information vers centre de tir. Si les individus montent et en étant armés, vous avez autorisation d'abattre. Ok, c'est reçu, je me prépare à abattre les tireurs. Je sais que j'ai pas mon gilet, mais je peux pas retourner à la voiture. Alors, elle ressort à qui la voiture ?
Jacques Ardu, ça a été annoncé sur les 80. Jacques Ardu. Ok, parfait. Oscar de Bac Alpha. Transmettez. Est-ce que pour la patrouille Alpha, elle pourrait paxer, s'il vous plaît? Apparemment, il y a une Audi RS3 derrière. Ah, vous avez comme dire qu'il y a toutes les unités sur le point. Oui. C'est suivi, merci. Pour Alpha, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez paxer la Audi RS3? Moi, pour info, j'ai paxé un véhicule qui était à proximité. Ouais, c'est suivi d'Alpha, on la paxe dès qu'on a eu visu. T'es où toi, David? Moi, je suis derrière la RS3. Je suis collé contre une maison avec le brassard poli, j'ai pas de pare-balles. Parce que. Tu peux te mettre sur la carte? Histoire que je vois. Tu me vois pas? Ah si c'est... Bah je vois pas ton marqueur sur tout ça. Attends, je vais mettre le marqueur, attends. Ouais, BAV tu vois? Ouais. À toutes les unités sur Paradis, marqueur BAV c'est bac en civil. Donc pour toutes les unités, l'homme en civil derrière armé c'est moi hein. Pour Alpha et... Enfin, suivi d'Alpha. Je me perds tirer dessus. Oh là là, vous avez vu cette intervention, mesdames et messieurs. Et en plus, je trouve la bagnole. Pff, j'adore le RP. Ça, c'est tellement plus intéressant que des wheelings ou des gars qui s'ennuient, tu vois. Là, t'as vraiment le truc... Est-ce que je peux monter là? Oh oui. Oh là là! C'est tellement plus intéressant! Tu vois ce que je veux dire? Là, ça va se finir à la messerine. On va même pas essayer de les interpeller, on va les finir dans la bagnole. Information, on va check l'intérieur du bâtiment supermarket à côté de la station. Qu'est-ce que tu fais? Attention à vous. Ça va se finir à la messerine. Il va mourir dans sa bagnole, le mec. En construction. Pas suivi. Oscar de Bac Bravo. Transmet. Je suis monté dans la maison qui est juste derrière la station. Maison vide, donc je me suis permis de rentrer à l'intérieur. J'ai visuel sur la RS3, j'attends. Ok, suis. Patrouille Oscar, des mots disponibles, on se rend sur Paradis. Pour information, à toutes les unités qui interviennent sur Paradis, j'ai déjà donné la plaque hein, au niveau du véhicule. Tellement stylé, on ne sait pas encore ce qui va se passer, c'est trop stylé mesdames et messieurs. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas fermé la porte. Donc d'Alpha pour les unités sur Paradis, le supermarket est clean. C'est sud de ce... Je suis pour Bac Alpha, vous avez des infos sur la préfecture? C'est bizarre, mais... Négatif, pas encore. Ok, c'est barré, on sait pas où il est. Alpha d'Oscar. Transmettez. Ah non! Command box niveau de station service. Ah non! Pour l'instant, on en a qu'un confirmé. Bien, je ne pariais pas le remplacement de carreau. Pas d'argent de poste pendant un mois. Ah non! Négatif, il y a eu aucun tir. C'est pas juste! Ok, je suis arme lourde, arme légère. C'est pas juste! Non! Non, je m'en fous. Maman a dit ah oui, maman. Ok, je suis. Ouais, c'est confirmé pour Bac Bravo, hein. C'est arme lourde. Moi, je suis derrière la station, j'ai vu personne sortir par là. C'est suivi, Oscar. Oscar de Cessy. Transmettez. Petite question, une express ayant deux sièges à l'intérieur avec 5 bonhommes. Enfin, ils étaient 7 au total. Ouais, ils étaient emboîtés comme des Legos dans le coffre. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est autorisé par rapport à la loi? Bah écoutez, s'il n'y a pas de système de sécurité négatif, conduite dangereuse pour le conducteur et mise en danger. Ouais, j'allais dire pareil, mise en danger, conduite dangereuse. Ouais, c'est bien reçu, merci. Scar d'Alpha, transmettez. Est-ce que vous voulez qu'on tente un assaut par l'avant du magasin?
Attendez qu'on arrive, on donnera le top. Coup de feu, c'est qui? Info. Pas d'info pour Black Alpha. C'est le PAX à l'intérieur de la station. Suivi pour la Black Alpha, j'ai l'avant de la station si jamais. Il y a bien un gars. Donc c'est confirmé, il y a bien quelqu'un dans la station. Affi. Ok, c'est reçu, je me remets à ma place, du coup je fais visuel sur sa voiture. T'as l'avant, j'ai l'arrière, hein. Donc c'est bon. Ouais, pour information, c'est le deuxième coup de feu, donc évitez de vous prendre le troisième pour les unités sur Paradis. Ah, celui-là, c'est... Et pour info, il y a également un véhicule qui est garé au niveau du McDo qui était de l'autre côté, une RS bleue. Sonnette, sonnette. Ça sonne. Moteur qui démarre, c'est pas les RS3. Moteur qui démarre, c'est pas les RS3. Un officier vient de se faire écraser, qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, c'est l'autre. Ah, oh, putain. S'il vous plaît, communication radio claire, qu'est-ce qui se passe à l'arrière de la station? Parce qu'il y a rien d'essayer de rechat. Ils sont écrasés. On peut prendre information, on va taper la station de Scar. Ils sont écrasés. Il a pas bougé, normalement, il est toujours derrière le comptoir. Hein, parce que ça a rien fait. Au niveau de la porte, j'ai pas vu de mouvement. Putain, j'ai vu un flic au sol, j'étais en mode mais... On fait de la suppression. Oh putain, hôtel, y'a un gars au niveau de l'hôtel. On a suivi pour la com, il est à l'étage. Confirmé, il est à l'étage. Pas de visu pour Black Alpha. Alpha, étage confirmé, individu à l'étage. Est-ce qu'on a des effectifs au sol, s'il vous plaît? Alpha, c'est bon. C'est ouais, bon, c'est... Okay. Alpha d'Oscar. Ouais, toujours étage, confirme pour Black Alpha. Vous pensez étage pour rentrer par le bas? Oh merde. Et puis on peut tenter. J'ai metté votre véhicule en cover de la station, s'il vous plaît. J'ai pas dit pare-balles en plus. Pour la station, la porte arrière est toujours pas ouverte. Donc on a pas eu de PAX décédé à l'intérieur, vous me confirmez? Confirmé RS à l'intérieur, enfin pas de PAX décédé. Ouais, ok, donc potentiellement toujours le tireur, ça marche. Information Oscar, on a l'arrière. Vous avez vu la vidéo sur YouTube? Alors, remettez le passage. T'as un gars qui s'est décalé au-dessus de l'hôtel. Zbem, 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 il a allumé les flics qui étaient au sol. T'es là, back? Ouais, je suis dans la baraque. C'est moi qui ai ouvert le feu et qui a annoncé à la radio qu'il y avait un tireur planqué dans l'hôtel. On entend du full breaker parler. L'individu qui dit dans sa communication radio, il est là. Donc, ils sont forcément encore plus. Enfin, minimum 3 sur zone. On a un pal au niveau de l'hôtel, il en reste encore un du coup à trouver dans la ville. Suivi. Info tir. Ouais, pour information, tireur dans l'hôtel, toujours là, il est en haut, toujours là, dernière chambre au fond à gauche, je crois, vue sur la station, toujours là. Alpha, on rentre dans la station. Dans l'hôtel. Ok, je fais des tirs de Soma. Ouais, confirmation d'un autre tireur, je me remets à l'abri. Vous avez réussi à avancer avec mes coups de feu? Prioritaire, ça tire en bas de chez moi. Je vais vous paxer. Paxer sur XXX. XXXX. C'est où XXX? Ah, là-bas. XXX. Quel bordel, mesdames et messieurs. Alpha, pour Bac Bravo, on peut avoir un état des lieux là, l'hôtel, c'est bon? Ouais, Delpha, Pax a battu dans l'hôtel. D'Oscar, l'individu vient de dire à son collègue qui est possiblement envers Buck, cache-toi, quand tu rentres tu bombardes. Donc faites attention. Ok, donc d'Alpha, Pax a battu dans Hôtel Lenny Corté.
Ok, c'est reçu pour bac. Bravo, je fais attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la vidange, le flic, là. Il fait la vidange de la voiture. Non, c'est important l'entretien des voitures, mesdames et messieurs. C'est important. Et en plus, je savais pas du tout que ça allait ressembler à ça. De base, cet épisode, je voulais pas la tourner. Oscar d'Alpha. Je m'étais dit, ouais, bon. Transmet. Au final. Est-ce que vous souhaitez qu'on vienne à l'appui de bac? Allez sur le point box de bac affirmatif. Oh, j'aimerais bien sortir d'ici. Oui. Je confirme besoin de soutien pour le bac. Quel étage? C'est une maison plein pied, moderne. Attends, il faut que j'arrive à aller rechercher mon gilet pare-balles. Je suis pas de gilet pare-balles là. Je sais qu'il y a des collègues qui sont à côté normalement. Une voiture sur place au DRS 5 dans le garage. Au nom de Jacques Lino. Jacques Lino. Que d'amis. Tu penses pouvoir checker? Moi je viens avec vous. Marche. De quoi? Ouais, Oscar de Bac, Bac Bravo, on les entend parler à l'intérieur pour information. Oscar de Bac Alpha. Putain, j'ai pas de gilet pare-balles, fais chier. Ouais, plutôt Alpha de Bac Alpha. Oscar de Ceci, priorité. Pour information, j'entends des coups de feu côté commissariat de police. C'est reçu par le clinique des civils. Reçu. Bac Alpha d'Alpha. Écoute. Écoute. On est sur votre position, vous voulez qu'on vous récupère? Bon, DCD, c'est bon. Clean pour la maison, Bac C. Ok, nice. Mais il reste plus qu'un gars à l'intérieur de la supérette là. Putain, ça court à fond. Individu station service abattu. Suivi pour Bac Alpha, on est en check de maison. Suivi d'Oscar. C'est quoi qui est tiré? Check de maison, quoi. Ok, je suis. Pour Bac Alpha, maison XX, clear. Quelle histoire, mesdames et messieurs! Je pensais qu'il y avait personne cette fois qu'on allait arriver là. T'es là, Bac Bravo? Ouais, je suis là, je suis toujours dans une maison. C'est bon là de ton côté? Ça roule. Normalement, il y a Pax Braqueur abattu, Pax Hôtel abattu, Pax Maison abattu. Donc on en a trois abattus. Ok, c'est reçu pour moi, je me rapproche des autres unités. Ça m'a l'air d'être bon, je pense. Hein. C'est bon? Ouais, ouais, ouais. Moi, de base, je venais retirer de l'argent à l'ATM et je me suis retrouvé bloqué ici. Tu peux parler près de toi ou pas? Ah. De bol. Non, je discute avec les collègues là d'après eux. C'est bon, il n'y a plus personne, la station a été ouais, claire. Ouais, ouais. Pour moi, ce serait good aussi. Je vais vérifier les papiers du gars là. Mais le gars que t'as battu, tu l'as battu avant ou après qu'ils aient intervenu à la station? Parce qu'il parlait à quelqu'un dans la station. Donc si ton gars était déjà mort, ça veut dire qu'il y a encore un autre gars. C'était avant? Non, on s'incroit. Ok. Non, bah normalement, du coup, c'est bon. Normalement, c'est bon. Parfait. Ah, c'est possible de me déposer à ma voiture qui est de l'autre côté sans savoir? Yes. Merci. Allez, juste à côté. Vas-y, à gauche. Et là, tu prends à droite. Après, à gauche. Et c'est une Porsche qui est derrière le bar. Ce qui est fou, c'est que je suis passé juste à côté du bar, là, à gauche. Normalement, elle est juste derrière. Là, tout droit, t'as vu? À droite. Je suis passé juste à côté du bar et... En fait, je me suis caché dans le muraille, là. Et tu vois, il y a une voiture jaune bleue derrière. Faudrait qu'on vérifie l'identité. Je vais mettre mon pare-balles avant. À niveau d'où là, lui, tu vois? Là, ah, derrière oui. Tu vois? Et ce qui est bizarre, ouais, mais fais gaffe, il y a peut-être un gars, hein. Parce qu'en fait, moi je suis passé ici, personne tirait, je suis passé devant tout le monde, personne m'a tiré dessus. J'étais à la TM retirer de l'argent, et après ça commençait à dégénérer, ça tirait de partout, je me suis retrouvé bloqué dans la maison. Tiens, on va checker le bar alors. Vas-y, je vais checker les fenêtres. Bon,
Bah ça me semble bon, moi. On va s'assurer que ça soit bon. Là, faut faire gaffe ici. Ok, nice. Ça appartient à qui, ça? Trois véhicules dans le secteur. Lenny Corté. Lenny Corté, c'est qui? C'est un des gars qui a été stoppé? Vous pouvez procéder au contrôle, s'il vous plaît? Oula, ça me dit rien. Ouais, ça marche. Pour information, ouais, Renault Mégane 4 noir, Ford Focus grise, est actuellement en contrôle sur une Camaro. Vous pouvez ajouter une Clio RS bleue, Lenny Corté, qui était garée derrière le bar. Lenny Corté. Pour information, monsieur Lenny Corté était abattu au niveau de, du bar. Ok, bah on confirme, on a sa voiture du coup. C'est la voiture du braqueur. Parfait. Ouais, donc c'est top, du coup ça fait une voiture. Et il s'était bien... Bien c'était caché quand même, hein. En train de tuer des maisons. Ouais. C'était bien c'était caché. Coucou mesdames et messieurs, coucou Pity, bienvenue à ce qui débarque, coq. Welcome à tous, c'était chez nous. Non, c'était... Ouais, donc en fait, côté stand de tir, c'était pas cool fermé. Donc les individus sont passés côté stand de tir, mais étant donné que c'est fermé côté Lexa, ils ont fait demi-tour direction stand de tir. Donc en soi, c'est juste des civils qui sont entrés parce que la zone n'était pas totalement sécurisée. C'était cool. Pour info, c'est fermé à entrée paradis, hein. Aucun véhicule ne peut rentrer dans paradis depuis le stand de tir, pour information. J'ai fermé l'entrée de paradis. Ensuite, Oscar. Ok, on est bon. Oscar, pour Bac Alpha, qu'est-ce qu'on fait de la voiture de Lenny Corté? Vous confirmez, c'est bien un braqueur? Confirmé, c'est bien un braqueur qui a été abattu dans le bar. Pour information, aucune balise de la part de Codis, donc vous pouvez procéder à la destruction des véhicules avec les dépanneurs ne sont pas dispo. Ok, je détruis la RS bleue. Pour information d'Alpha, le pont de paradis côté stand de tir est bel et bien ouvert. Ah bon? Affirmatif, on n'avait aucune unité là-bas, c'est normal. Moi j'ai fermé le pont en sortie de paradis vers stand de tir. Si ça a été rouvert, c'est quelqu'un qui l'a rouvert. Ah, je... Marqueur AAA sur la carte. Ça suit l'Oscar. Du coup, Oscar, pour Bac Alpha, il y a les Hers, enfin les petits plots sont baissés? Affirmatif. Ok, bah ça a été rouvert. C'est bizarre que j'avais fermé en plus. Donc au niveau des tirs, proche du commissariat, il y avait une C45 AMG grise au nom d'Enzo Petit et une Camaro aussi noire qui était sur position, qui avait fait des coups de feu et je crois qu'elle arrive sur négatif, elle arrive pas sur... Ouais, bizarre, je sais pas, c'est bizarre parce donc, que... faire attention de ces véhicules parce qu'ils étaient armes lourdes. Hein. J'avais Vous savez, j'avais... Je pense avoir fait gaffe. Suivi également une Mercedes grise, c'est ça? Je sais pas, c'est peut-être ça, moi, hein. AMG grise. Mais je pensais les avoir levés, vous savez. Oscar, ouais, la Porsche, elle est belle. Nous pouvons réouvrir les accès à en plus, c'est véhicule de bac, mesdames et messieurs. Bac, bravo, ainsi que la patrouille Alpha, vous pouvez reprendre une patrouille normale. Regardez-moi ça comme c'est propre. C'est pas mal comme affaire, ça. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mesdames et messieurs, YouTube, pouce bleu, on va cesser pour cet épisode, oh, merci Chloé. Last sub, ça fait plaisir. Bonne fin d'inter, mesdames et messieurs. Bonne fin de vidéo, bienvenue à ceux qui débarquent, tutino, on continue. Bref, YouTube, bisous, bonne année, salut.